Son sourire les a toutes, et tous, fait craquer. Membre du cercle proche de Charles III et jusqu'alors totalement inconnu, le major Jonathan Thompson s'est fait particulièrement remarquer durant le week-end du couronnement par les internautes. Et pas pour son sens du rythme, plutôt sexy, il a fait fondre pas mal de cœurs. Mais le sien est pris. Difficile de ne pas se souvenir de Pippa Middleton et de sa robe ultra moulante volant la vedette du mariage de sa sœur, n'est-ce pas? Eh bien voici désormais Jonathan Thompson, 39 ans, l'un des gardes du corps les plus expérimentés de Charles III. Et qui a attiré toute la lumière sur lui pour le couronnement. Très proche du souverain, l'Écossais a en effet été remarqué par tous les fans pour ses muscles saillants et son sourire sexy. Major du 5e bataillon du régiment royal de Cosse, le jeune homme est dans l'entourage de Charles III depuis longtemps puisqu'avant de devenir son garde du corps personnel, il était également celui d'Élisabeth II. Et déjà pour les obsèques de la reine, les observatrices avaient été nombreuses à le remarquer. Et selon leurs messages sur les réseaux sociaux, elles étaient ravies de l'apercevoir à nouveau. Les filles, regardez qui j'ai retrouvé, peut-on lire notamment en légende d'une vidéo postée sur TikTok après le bain de foule du roi Charles III à la veille du couronnement. Posté derrière le souverain, Jonathan Thompson, qui a sûrement bien compris qu'il était filmé, y reste souriant. Peut-être sait-il qu'il fait désormais l'objet de nombreux comptes fans. Heureusement, quelques heures plus tard, lorsqu'il a retrouvé son kilt pour suivre la procession du souverain, il était très concentré et ne rigolait plus du tout. Pendant toute la cérémonie, il a ensuite accompagné Charles III. Sexy, mais pas libre. Cependant, ce major si hot, qui était également présent au jubilé de la reine Élisabeth II, n'est malheureusement pas célibataire du tout. En effet, voyant l'attrait autour du jeune homme, le Daily Mail a fait une petite enquête autour de lui et révélé qu'il est marié avec sa femme Caroline, âgée de 44 ans, depuis 2010. Tous les deux ont également un petit garçon né en 2018 et semblent très heureux. Une mauvaise nouvelle pour toutes les fans qui ont multiplié les vidéos de lui pendant tout le week-end et qui l'ont remarqué à chaque moment du couronnement, notamment lorsqu'il a été responsable d'enlever au roi sa cape afin qu'il puisse recevoir l'huile sacrée, l'un des moments les plus forts de la cérémonie. Mais qu'il se rassure, lors des prochaines sorties de la famille royale, notamment pour la traditionnelle parade Trooping the Colour, il devrait revenir aux côtés du roi. Take a chance, you can just keep